Yo, bien le bonjour YouTube. Ons Human, encore une fois, et cette fois-ci je lance le record pour la VOD YouTube, tout simplement parce que j'arrive dans une zone que j'ai pas fait la découverte de la bêta, et donc, une fois de plus, qui ne figure pas dans la playlist des VOD Ons Human. Et je voulais garder ça de côté pour vous montrer aussi ce à quoi vous pouvez vous attendre dans le jeu, sachant que... ça m'intrigue un peu là, où je suis. Est-ce que je vais me taper un boss ou ça va être juste blindé de mobs? Ok. Bon, pour le moment, ça se passe tranquille. Ah ouais, enfin, j'ai parlé un peu trop vite, je crois. Attention, ça va péter! Ah mais ça pop en boucle en fait ici. Je pense que c'est ça le délire, c'est que ça pop en boucle, non? C'est bizarrement bizarre. Ah puis quand je marche dessus, ça me ralentit de ouf. Oh, c'est bizarre la zone. Hein. J'aime pas trop vraiment beaucoup ça. Alors, je peux passer par la porte, mais avant à mon avis, il y a d'autres choses à looter, non? Y'a pas un truc activé là, non? Bon. Ok, bon. Allez, c'est parti. Je vais clear déjà cette zone-là, mais... Ouais, je... Quoi? Quoi, détecter de quoi? C'est pas moi. J'ai vu la lumière, je suis rentré, mais je te jure, je suis... Je te jure, je suis pas méchant. Justement, on m'a demandé de venir faire du nettoyage, là. Toi, t'es vraiment con, hein. Pardon, excusez-moi. Sans porter. Est-ce que je devais passer... Ouais, à mon avis, je dois... À mon avis, je dois continuer dans le petit couloir là-bas. Il faut boire de l'eau. IRL aussi, hein. Buvez. Est-ce que c'est vraiment là que je dois aller? Eh! Laissez-le tranquille là! Oh là là! J'ai dû. Monsieur. Oh merde! Bon bah ça s'est fait, hein! Oh merde, quel con! Non, pas abandonné! De quoi touche? Ah, oh, quel con! Mais en fait, je comprendrai jamais leurs grenades. Vraiment. C'est pas des grenades à percussion. Normalement, c'est des grenades à fragmentation. Enfin, à ma connaissance, en tout cas. Et par contre, je la lance, elle peut rebondir un peu avant de péter. Par contre, je la lance, contact à un truc, elle pète instant. Je... On va pas comprendre le fonctionnement, en fait. Ah ouais, on va rien dire, on va juste dire que je suis teuteux.
Ok, ouais, donc j'ai quand même bien fait de venir par là, parce qu'il y a quand même pas mal de loot. Par contre... Ça, j'en ai pas besoin. Et les soins, j'ai pas d'autres trucs à part ça, ok. Ok, bon. Tac. Je me full soin. Parce que je pense que la partie d'après va être complicado. Allez, c'est parti. Comment c'est ridicule le laser sur le sniper? Oh là 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 là. J'y foute le feu à ça. Parce qu'à mon avis, si j'ai eu autant de molotov, ça sert à ça. Et ça, ça le prend pas en compte. C'est tellement dommage. Hein ? J'entends un bruit bizarre. Vous m'attaquez pas, hein. On reste tranquille. Je sais pas ce que c'est bizarre, c'est... j'aime pas. Ah, il y a une passe... un passage de porte, mais là, je pense que j'ai besoin de la carte en question. Rosetta V3. Ok. Toujours tout vérifier dans le jeu. Visiblement, il y a un ascenseur qui serait accessible. Ah. Ok. Mais alors avant, attends. Ok, j'ai la Rosetta V3 forcément là. C'est cool. Mais du coup, est-ce que je dois passer par là ou prendre l'ascenseur, à votre avis, chat? Enfin, la question plus précisément, c'est... Est-ce que pour vous, la continuité du niveau, c'est en allant par là, ou justement l'ascenseur? Moi, je suis persuadé que c'est là. Éliminer le boss de la zone pierre tombale. Ouais, c'est ça. Le boss, il est là, donc en fait, il faut que je prenne l'ascenseur avant. Toi, tu dirais les deux. Genre les deux... Pour toi, le niveau, il se finit par là-bas et par là-bas. Ah, voyons. Un peu dans la bulle, là, monsieur, non? Pas rassuré par le bruit que ça fait. Et là, je meurs. Attends, mais je vais jusqu'où, là? Ah! Ok, bah j'ai bien fait d'y aller, le chat. Regardez-moi ça. La poupée dans la vitrine, c'est vous et vos parents le savent aussi. Bon bah accrochez-vous chat, hein. C'est parti pour se faire potentiellement un peu caca dessus. YouTube, pareil, préparez-vous à pas être bien. Et si c'est moi, s'il vous plaît? Je fais comment pour rentrer chez moi, s'il vous plaît? Oh bordel. Tiens, saloperie. Bon bah attends, tu crois que tu me fais peur? Allez vas-y, sors samouraï. Pète-leur la gueule.
Mais pourquoi je prends des dégâts en continu là? What the fuck? Ah! Alors j'ai une hypothèse. Me dis pas qu'il y a un mob avec miroir là. J'ai l'impression que j'ai pris des dégâts de, en continu de hit spécifique là, je sais pas, c'est trop bizarre. Alors je pars pas de suite parce qu'à mon avis... Y'a pas quelque chose de caché de plus ici. Alors ça c'est le genre de truc, ça me fait un peu flipax comme univers, comme zone. Mais j'aime bien le délire quand même. Bah je pense que j'ai tout fait en fait. Ok. Ah! Pourquoi tout de suite une chambre d'enfant aussi là? Oh, bleu, bleu. Je crois qu'en fait c'était juste pas la fin. Ah si. What? Ah c'est bizarre quand même hein. Est-ce que les devs veulent nous faire passer un message subliminal ou je ne sais quoi? Ouais. On se casse de là, hein. Allez. Allez, allez. On se casse. What the fuck. Encore ça va, là, hein. Ce que vous venez de voir, c'est... c'est soft. C'est ridicule, même. Bon, bah, c'est parti, hein. Je vais me taper le boss. Pas mal de loot. Moi je veux looter. Oui, parce qu'ici on a la lootite aiguë. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faudrait que je fasse une émote loot. Le boss il est là. Éliminer caverne. C'est qui? C'est lui là? Dégage. Ça marche, Spirit. Je crois qu'il y ait caverne, mais à mon avis, une fois que j'ai... Ah mais non, mais caverne, oui, c'est ça, c'est ces trucs-là. Autant pour moi. Ça j'adore aussi. L'autre arrive, restez sur vos gardes. Ah voilà, je me disais bien. Oh, attends, il y a un coffre là. Attends, coffre first, please. Lâche-moi. T'es moche! Dégage! J'ai déjà dit, je suis pas un mec facile. Ils arrivent en boucle ou pas? Une box, je peux pas. Ah, dommage! Dommage, j'ai une box de merde. Très dommage, je trouve. Tiens, attrape! Non, non, moi j'attrape pas. Non, non, par contre, moi j'attrape pas tes trucs. Hein. Non, 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 non. Tiens, attrape! Hein? D'accord. Non, mais d'accord, non, mais. Ok, ok, pas de soucis, excusez-moi. Non, mais excusez-moi. Hein.
Mais attends, mais... Avance. Run. Attends, mais j'ai pris un dégât de quoi, là? Pourquoi je... Ah, mais c'est parce que j'avais des... Ok. J'étais on fire. Fire, fire, fire. Allez, sors-toi un peu, viens m'aider là, défonce-les. Défonce les petits mots, je m'occupe du gros. Mais il sert à rien, tu fais quoi, tu fais quoi? Viens m'aider. Non, je vais mourir. Ah, c'est le jeu. Ça, c'est pas mal, les devs aussi. Bravo, hein. Putain. Ah, là, de faire pop un message en plein milieu de ta tronche, en plein fin de combat. Bah oui. Ouais, bah, les déviations, il y a besoin d'un gros coup de main quand même pour que. Enfin, d'un petit rework, je veux dire plutôt. Pardon. Parce que là, c'est problématique. Et par contre, 90... Eh non, il y a plus cette histoire, là. Ça fait sac à dos militaire. Non, je suis toujours 90. Ouais, non, c'est bizarre. Je pensais qu'il y avait encore un système comme on m'avait expliqué à la bêta, mais non. Mais ouais, le petit pote, là, la déviation là que j'avais, le samouraï... Normalement, il attaque les ennemis directement, mais je sais pas, il se promenait, il attendait. Au lieu d'attaquer celui qui est plus proche de moi, il s'est barré je sais pas où. C'est dommage. Très 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 dommage, je trouve. Je pense que j'ai tout fait. Parce que dans des instances pareilles, moi, je passe pas à côté des coffres. Je sais pas ce qu'il y a avec les casques comme ça, mais il y en a plusieurs. Bon, alors on va voir ce qu'il y a comme loot. Oh, mode violet, je dis oui. Ah oui. Alors par contre, normalement, si je dis pas de bêtises, à chaque mob comme ça, là, chaque élite, boss, en tout cas dans les silos, normalement, on devrait être capable de looter une déviation. Un petit pote, là. Bon, désolé, hein, je skip, comme d'habitude. Si vous souhaitez revoir les dialogues, vous mettez sur pause, vous regardez la VOD. Attends, quoi? Attends, il m'en a filé. Attends, quoi? Ah, mais c'est... C'est pour mon équipement, peut-être? Bah. Peut-être que j'attends, mais Il vient pas de me dire que j'en ai gagné, normalement, des modes violets. À mon avis, j'ai mal vu. Ah non, ils sont là. Ah, mais c'est que pour les godasses! What the fuck, j'ai chopé 4 modes? Que pour les godasses. Ah non, j'en ai chopé un là ici. Ah ouais, trop bien. Trop bien. Bah du coup, c'est bon, je vais pouvoir équiper ça 18-18. Ah bah non. Ah bah non. Si, c'est juste que je suis teuteux. Je fais n'importe quoi. 8% de dégâts de mêlée d'armes et de statut. Si les PV supérieurs... Ok. Dégâts critiques. Ça, c'est les deux mêmes en plus. Ouais, bon, vous savez quoi, je vais quand même prendre lui. Ensuite. Non, c'est pas ça. Ensuite.
Lui, de toute façon, j'ai pas le choix. Si je veux vraiment booster en performance, là, en puissance. Hop. Et là, par contre, c'est sûr que j'en ai pas d'autres. Ok. Ensuite, là. J'en ai pas d'autres. Et ici, j'en ai pas de nouveau non plus. Ok. Bon, dans l'eau, je vérifie pour l'armement quand même, parce que j'ai pas envie de passer à côté de ça. Ok. Bon, bah c'est quand même cool, mais ouais, dommage. Pas choper de petits potes. Dommage, dommage. Bon, eh bien, qu'est-ce que je fais? Je me tabasse là-dessus. Je vais retourner à la maison en attendant. Alors oui, j'ai déplacé ma maison ici en attendant, parce que... Bah déjà, je suis en hauteur. Il y a les nouveaux minerais que j'avais pas encore récupérés forcément en grosse quantité, donc je laisse les petits potes s'en charger. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Oh, mais... Oh, les fils, t'es puni. Je pensais qu'il allait s'envoler, mais non. Donc là, j'ai tout récupéré ce que j'avais confectionné à la base. Est-ce que... Est-ce que j'ai pas mieux maintenant? Non. Par contre, les BP, ça se fera. Hein. J'arrive pas à en gagner des nouveaux intéressants. Là, j'ai toujours pas ce qu'il faut pour. Ok. Ok, 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 ok. Donc là, concrètement, qu'est-ce que je fais maintenant? Déjà, je vais recycler tout. Voilà. Alors justement, ce qui serait bien, c'est que je drop un BP de fusil sniper. Alors l'idéal, le légendaire, bien évidemment, que je pense comme tout le monde, on aimerait choper ça. Sauf que là, moi, ce que j'aimerais, c'est le Averroux. Pas le barrette, justement. Est-ce que je peux crafter un violet? Non, je peux pas. Toujours pas, toujours pas. Toujours pas, toujours pas. Bon, c'est pas grave. Pourquoi je dis ça? Parce que, en fait, j'ai enfin terminé le pass. Ah, mais si, il y a ça, en fait. Coffret cadeau, événement protoplasmique au max. Atteignez le niveau max dans l'événement 1. Obtenir cette caisse de butin. Vous avez activateur rapide. Ouais, ouais. Poudre, énergie, cocktail moteur, une ring. Ouais, en fait, on gagne juste des consommables après, mais c'est cool. J'avais pas capté qu'en fait, on avait de l'extra loot. C'est pour ça que je gagnais encore des niveaux. Donc, vu ce qui reste, et vu que je suis déjà 64, à mon avis, c'est tous les 5 niveaux qu'on récupère une caisse comme ça. Mais oui, du coup, c'est le sniper en question que je parlais. C'est ça. Faut que j'aimerais bien looter ce sniper légendaire pour y mettre le skin. Ce qui est sympa, j'aime bien. Mais du coup, j'ai pas le sniper en question. Puisqu'il est là. Un des deux, bien évidemment, bah, comme tout le monde, je pense que on est d'accord pour dire qu'il faudrait que je prenne ça. Présentation de V, ça fait quoi si je fais ça du coup? Ah ouais, non, on s'en fout. Ok, bon. Je vais réparer les armes quand même. Parce que là, j'arrive à un stade où ça va commencer à être problématique si je répare pas. Est-ce que je calibre? Ça vaut le coup, je calibre ou pas? Limite de niveau de calibrage insuffisant. Ouais, ça va me faire monter le dégât, mais... Le problème, c'est que c'est ça. Parce que là, j'augmente une arme, mais qui est pas tier 3, je crois. Je suis en tier combien, là-dessus?
Est-ce que je peux faire le tier 4 maintenant? Ouais, non, je peux pas. C'est bien ce que je pensais. Par contre, T3, je pourrais. Ouais, j'ai pas le choix. Juste très très condamnatoire d'avoir boosté l'autre, mais bon, tant pis. C'est pas grave. Et ouais, déjà par défaut, elle est à 425, alors que l'autre, elle est boosted, elle est à 550. Ça va changer la donne. Hein. Voilà, je rééquipe sur celle-là. Access Wear. Plus de précision, plus de stabilité. Plus de stabilité. Hein. Voilà. Mais je vais pas faire la même pour le sniper. Ça vaut pas la peine, je trouve. Par contre, la hache épique. Je dis pas non, la hache qui pique. Comme ça. Ah oh oui, non mais d'accord. Par défaut, elle est mieux. C'est n'importe. Je vais mettre ça. Un blue d'abuddy d'abuda. Hop. Pour le moment, je m'embête pas trop à booster les modes bleus. J'attends d'avoir vraiment des bons. Quoique je dis ça, mais les violets, je peux maintenant. Les violets, je pourrais largement. Shrapnel, explosif, précision. Mode de protection max. Masque. 240% de dégâts avec le coup critique garanti. Vas-y, bah améliorer, hein. Ok. Améliorer. Ah, j'en ai plus. Dommage. Ok, par contre, c'est... Ouais, mais je pense qu'il faut que je fasse pareil pour la tenue. Hein. Faut que je booste la tenue aussi, parce que là, ça va pas. Confectionner une protection. Ça va pas, ça va pas. Et là, j'aurais pas assez. Faut... En fait, je peux que T3. J'ai plus de verre, par contre. Parce que là, concrètement, ça va être compliqué. Donc, c'est raid. Est-ce que j'ai full stuff raid? Raid, renégat, anti-explosion, éclaireur. Ouais, c'est ça le problème, c'est que j'ai pas tout le raid. Donc, je crois qu'il faut vraiment que je reste sur le stuff anti-explosion, en fait. À part les gants qui sont là. Ça, c'est des gants spécifiques. Mais par contre, je peux les faire en T3. Et oui. Respirit. Ok. Les godasses, c'est des bleus, ça m'emmerde un peu de les faire en T3, mais bon. Optimisation de stats, si je puis dire. Raid anti-explosion. Bonjour, monsieur Sonib, comment est-ce que ça, c'est good. Du coup, anti-explosion, j'ai dit niveau 3. Ça, par contre, les devs, ils ont été intelligents sur le principe même de... Sur une partie de vêtements, tu cliques sur un tiers. Et en fait, tous les autres seront du même tiers. Ça, c'est cool. Attendez, je viens de dire ça, mais est-ce que je l'ai crafté? J'ai un doute. Non. J'ai pas crafté. Bah qu'est-ce qui t'arrive frérot? Tu veux me le dire en MP? Moi pareil, enfin
Je vais pas reblablater ça en live, surtout que là je viens de lancer la VOD YouTube, mais ouais, c'est. La merdasse avec le CPU encore, mais bon, ça part très loin en fait, cette histoire encore. Oh, je m'inquiète pas, c'est pour toi si t'as envie d'en parler. Je vais pas te forcer. Et je vais faire ça en plus. Petite explosion. Allez, même s'il faut que 4... combien? Ouais, que 4 parties seulement pour avoir tous les bonus, c'est pas grave, je fais tout. Ouais, j'ai l'impression aussi, effectivement, Spirit. Attends, mais j'ai... Ah, mais ça me l'a équipé automatiquement parce que j'ai dû spammer le truc rapidement, je pense. Oui, c'est ça, ok, ça me l'a... Ok, je vois le délire. J'avais pas compris ça comme ça, mais je préfère vérifier pour être sûr de pas jeter après le mauvais. Ouais, bah voilà. J'ai pas tout équipé correctement. Je fais bien de regarder. Voilà. Parce que ça serait très dommage de ma part de recycler des trucs que je viens de faire. Qu'on avait fait, c'était avec toi que je l'avais fait, Sonib? Mais ouais, Ben Spencer, Terence Hill, des barres. Des barres! Équipement de butin. Et celui-ci, je pourrais pas le réparer de toute façon. Vas-y, je les dégage. Oh! Schéma de calibrage, mêlée lourde. Oh! Ouais, vas-y, je démonte. Ça, c'est la première fois que je le vois. Bah, désolé Sonim, mais moins de poisson rouge comme d'hab. Mille pardons, très cher. Là c'est deux, on le voit très peu, mais deux aussi. Paf. Là il n'y a pas d'autres blancs à recycler, ok. Ok. Bon là, normalement, déjà je peux ranger tout le matos. Tac. Voilà. Et ensuite... calibré. Je vais le faire juste trois fois, je pense. Ah, j'ai pas recyclé le... Ah, j'ai pas recyclé l'armement aussi. Ouais, je peux le faire 4 max en fait. Et ouais. C'est ce que je pensais. Ok, 3, 4, et après je peux plus. De toute façon, c'est full le 4, donc. Ouais, ça me bouffe beaucoup de matériaux, mais je vais quand même le faire. Histoire d'être un peu plus serein et plus résistant. Eh, je peux plus. Ah, j'ai bouffé trop de ressources, j'aurais peut-être pas dû. Mais bon, c'est pas grave, c'est fait au moins. Après, je peux peut-être... Attends, genre, je peux re-recycler ça? Ah, ça me donne de ça. Ok, non. Non.
Ok, bah déjà là, je vais faire un peu plus de dégâts quand même. Qu'est même, je dirais même plus. Et est-ce que je partirais pas sur aussi un autre. Un autre calibre? Ah, je sais pas. Du coup, niveau bouffe, c'est bon. Ça, je peux le ranger quand même. Yes. Ça, je vais le ranger tout ça précieusement parce que j'ai pas envie de faire de la merde avec. Ok, c'est bon. Bon. Faire du dormage in-game. Hop. Bon. Là, les petits potes, il y a la roue, la nouvelle roue giveaway là, qui est disponible. Le message épinglé au-dessus du chat. Profitez-en d'y participer dès maintenant. Comme ça, au moins. C'est fait. C'est fait pour vous. Est-ce que j'aurais pas des trucs à acheter en. De type. Ah, y a oui. Tiens, bah, il y a des points à récupérer d'ailleurs. Faut que j'aille voir ça. Oh, si, déjà, ça, je peux récupérer. Mais d'ailleurs, le snipe, ce serait pas celui qu'il me faudrait, justement. Et oui, après avoir terminé. Les tâches requises. Et là, il me manque plus que ça à faire. Et c'est la pêche et aliments de rareté violet ou supérieur. Oh fuck. D'ailleurs Sonib, si tu retournes sur le jeu, tu verras que j'ai mis en place pour le parrainage MP5 légendaire. Alors par contre, est-ce que si je la booste là et que je la remets, vous pouvez. Ah mais ça serait pas intelligent que je la booste, parce que si je la booste, vous pourrez pas en fait. La crafter plus, si, peut-être. Ah, je sais pas. Mais j'avais dit que je gardais mes fragments pour une autre PM, peut-être. Enfin bon. Ah, par contre, je viens de capter quelque chose. C'est que oui, maintenant j'ai un autre emplacement vu que j'ai dépouillé un autre silo. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir prendre du coup? Ah. Combo mortel. Après avoir touché un point faible avec un effet de balle, rebond ou shrapnel, dégâts d'effet de balle plus 25% pendant 3 secondes. Ouais. Ouais, je vais équiper ça. De toute façon, on pourra les virer plus tard. Là-dessus. Bleu. Allez, dégage aussi. T'es puni. Bon. Ouais, je vais la faire cette mission quand même, non? C'est mignon, ça met des cœurs dans le chat sur Twitch, c'est mignon, c'est mignon. Et oui, YouTube, une fois de plus, hein. N'oubliez pas. En live quasi tous les jours. Venez nous rejoindre pour participer, pour profiter des drops. Parce qu'actuellement, il y a des Twitch drops d'ailleurs sur la chaîne concernant Onsuman. Venez nous rejoindre. On rigole bien, on dit beaucoup de conneries. Ça, par contre, c'est compliqué, mais on dit beaucoup de conneries. Et par contre. Coup que c'est que je dois aller. Ah voilà. Donc.
On va aller voir. Hot dog. Mais blablabla. Ah non, c'est pas ça que je devais faire en fait. Attends, attends, tais-toi. Attends, chute pour voir. Ouais, ouais. Ah mais c'est pas ça que je vais te dire en fait. C'est ça. Oui, ça avait l'air d'être ça. Ok. C'était ce dialogue-là. Et là, il me propose d'aller où? Enfin, il me demande... What the fuck is going on? Ah oui, d'accord. C'est-à-dire, j'ai pas déverrouillé cette zone encore. Ah bah si, vous savez quoi? Je vais aller faire la carte au trésor. Regardez bien YouTube, Twitch. La carte au trésor qui se trouve là. Celle-ci, si vous avez la même. Et que vous ne savez pas où c'est que c'est. Astuce, regardez les fleuves, le pont, la route. Et un fleuve qui passe juste sur la route et qui forme après un petit lac carré. Bah si vous regardez bien, c'est juste là. On trouve le fleuve qui se sépare en deux parts. Le pont qui est là-haut. D'ailleurs, hop. Le pont qui se trouve juste ici. Le fleuve qui passe sous les routes et qui reforme un carré. Donc en fait, c'est vraiment pile poil là, quoi. Donc on va aller se faire ça tout de suite, tout de suite. Comme ça, c'est fait. Oui. Hop, motobillette qui est dans un sacré mauvais état. Ouais. Moitié carbu, moitié du rat. En même temps, c'est ça mon problème. Regardez ce que j'ai, je suis occupé à faire, bordel. Faut que j'arrête de me dire que je suis sur GTA. Putain, c'est dingue ça. Hein. Par contre, aïe. Allez, ouais, monte, monte, ouais, ouais. Je suis bientôt arrivé. Attention, Lio. Ouais, ouais, pas mal, ouais, j'aime bien, ouais. 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 Non, par contre, non, non, laissez-le. Bon, attendez ce que je vais vous mettre. Laissez le raton laveur tranquille. Qu'est-ce qu'elle a, la moto-bidette, là? Il a fait un bruit de moto, là. D'accord, la pustule elle a pété toute seule. Donc là normalement il y a justement la carte au trésor. Faut juste que je vérifie avec exactitude si je suis au bon endroit. À mon avis ça doit se passer dans le bâtiment là. Pourtant ça a l'air d'être justement au bord de l'eau. Donc... Ouais si je pense que j'ai ping au bon endroit hein. Ah. Ouais mais non, alors c'est gentil mais mettre des lettres comme ça, on va pas connaître. 2 plus 2, ouais, égale la tête à Dodo. Ah non, c'est pas ça. Ouais bon, ok, bon, ça a aucune info, c'est super. Où est-ce que je vais pouvoir trouver? Peut-être qu'en fait c'est plus compté là-dedans. En fait, faut faire un gros score ici pour que le coffre y pop. Bon, rien à voir. Ah, mais ça va être là. Non. What the fuck, mais c'est quoi là? Qui vivra verra, ouais. Ah. Bizarrement bizarre.
Non, mais je comprends pas non plus. Bon alors attendez, du coup. C'est dommage qu'on puisse pas zoomer dessus, mais c'est fait exprès. Donc c'est, on va dire, au corner du bâtiment. À droite. Corner du bâtiment à droite. Donc ça devrait être là à peu près plutôt. Oh, je... oh, Big Lushman. Hein. Ok. Je crois que ça me dit vaguement quelque chose en plus. Il y a des bruits bizarres dans proche de l'eau là. Ah, il y a un truc violet, ça doit être là. Ouais, à mon avis, c'est ça. À mon avis, c'est bien ça. Ours en peluche. Chasse au trésor. Ouais. Non, non, c'est ma peluche maintenant, c'est moi qui l'ai trouvé. Laissez-moi tranquille. Sinon, je me plante dev. Toi, touche pas au courant. Mais j'ai vraiment juste gagné la peluche en fait. Chasseur de trésor a emporté le butin, mais il vous a laissé la poupée de sa fille en souvenir. Ah le bâtard. Ouais, du coup, c'est... du coup, j'ai que la poupée, quoi. C'est... Ouais, d'accord. Bah voilà, si vous saviez pas où c'est que c'était, c'était là, voilà. Juste ici, la poupée, c'est une poupée. C'est... Voilà, c'est un peu foutage de gueule, mais... C'est honteux. Voilà, c'est... comme ça. Du coup, vu que je suis là, j'en profitais pour looter, hein, parce que... Ah ouais, c'est de la chiasse au trésor, même, surtout. C'est plus de la chasse au trésor. Sans déconner, c'est honteux. Bon, à peine, je vais dégommer du zombard. Qu'est-ce que tu veux, toi, la pustule? Ils sont vraiment cons. Voilà, fais dodo. J'aime bien faire le petit saut avant qui sert à rien. D'ailleurs, ça serait bien qu'il nous rajoute ce système-là. Genre, tu sautes, bah, mais tu fais une grosse attaque de... Une grosse AOE. Une bonne attaque de zone, là, tu tapes par terre. Oh, par contre, l'autre, est-ce que je vais vraiment le faire au cac? Eh. Franchement. Franchement. Ça se fait. Méchant. En plus il bouge pas, il en a rien à foutre. Oh, il meurt. Ouais, ok. J'ai eu deux stations, enfin deux stations, deux trucs qui sont mis au sol, j'ai pas compris. Bonjour monsieur. Excusez-moi, je me permets de rentrer chez vous. M'en voulez pas s'il vous plaît. Voilà, je me sers, hein. Je suis comme chez moi. Non mais comme ça au moins j'économise des munitions parce que c'est vrai que je fais que de me servir de mes armes à feu à chaque fois. Et je bouffe de la la mune à foiseux. Exactement, Sonim. Ah, j'aurais pas dû sauter. Hop, ça dégage. Coup d'épaule? Ah non. Oh bah lui. Petit dessin. Bon, du coup, j'ai pas mal looté ici.
Ouais, déçu de la chasse au trésor. Après, est-ce qu'il faut pas que je ramène l'ours au... Ou NPC. Oh, attendez, il y a un truc là-haut. Oh, alors attendez, il y a peut-être moyen de moyenner de tomber sur un petit pote. Ce serait pas mal pour finir la VOD, là. On va sur un tout petit pote, parce que regardez, est-ce qu'on... Eh ! Je connais le jeu, je connais pas le jeu. Dalle de surveillance. Votre aide nous serait très précieuse pour nous aider à terminer notre rapport d'analyse sur les véhicules déviants. Vos données expérimentales seront scrupuleusement enregistrées. Attends, 30 secondes, quoi ? Attends. Pousse. Monte. Allez, monte. Ouais. Non, tombe pas. Je vais pas m'énerver. Non, mais faut que je recommence. On est où, là? Allez. Fini le timer. De toute façon, j'ai perdu. Voilà, on recommence. Oui, je sais, c'est là. J'ai compris. Allez, laisse-moi faire. Allez. Top à la vachette. Je pouvais largement monter comme je suis monté, mais non. Hein ? Oui, bah bien sûr. Bah tu voulais pas non plus mettre des flammes, des pics, des mobs qui me tirent dessus aussi, non ? Bien sûr, bah oui, oui. Donc en fait, comme je suis passé tout à l'heure, c'était ça qu'il fallait faire. C'était exactement ça qu'il fallait faire. Mais... Je sais pas pourquoi le jeu il m'a foutu sur le côté. Là je suis droit. Là je suis droit aussi, c'est bon. Non mais par contre vos publications j'en peux plus, hein. Arrêtez. Et c'est qui ça? Ah bah tiens la grenouille sauteuse, bah j'en parlais. Bah voilà. Grenouille sauteuse qui vous permet de récupérer une ressource qu'elle génère en boucle et ça vous permet d'avoir une potion et d'avoir des sauts, je sais plus si c'est double saut, double jump que vous pouvez avoir ou un saut plus important, je sais plus exactement. On va voir ça tout de suite. C'est produit des matériaux spéciaux pouvant être utilisés pour vous soigner des potions de lubie, il permet d'améliorer le saut, mais je sais plus si c'est double jump ou si c'est un saut plus haut. En tout cas c'est hyper pratique pour l'exploration, sachez-le. Et voilà, elle se trouve là, juste ici. Donc si je la trouve là, potentiellement, vous devriez la trouver vous aussi au même endroit. Je dis bien potentiellement. Quand vous voyez que c'est des spots spécifiques comme ça, ça serait dans la nature lambda, je vous dirais, bon, à prendre avec des pincettes, comme on dit. Là, vous pouvez prendre ça carrément avec une pince crocodile, hein, parce que là, on est sûr que c'est là, vu l'amas de voiture et la quête. Par contre, je vérifie, parce que des fois, il pourrait y en avoir deux qui traînent. Alors je suis pas allé voir dans le bus, mais bon, bah si sur Twitch vous avez l'info, ou en tout cas YouTube dans les commentaires, vous me direz s'il fallait aller dans le bus. S'il y avait quelque chose dedans. Bring the wife next time. Eh non mais... At top on that floating car, check it out. Bah ouais, mais j'ai déjà chopé. Attendez, vous savez quoi? On va vérifier ça ensemble. Petit suite, mi-suite. Bon. Ah, quoique. Bon. Monter comme ça. Alors. Je m'y prends très certainement très très mal, hein. Mais c'est quand il veut pour climb, en fait. Pas l'air d'avoir de matos dedans. Non. Par contre, tu me feras le plaisir de récupérer ton bus, Spirit, parce que là, c'est mal garé, là. Non, Spirit, c'est pas comme ça qu'on fait le taf. Vas-y, ce floating en carreau, mais non, c'est la grenouille que j'ai chopée, hein, c'est sûr. Ouais. Pourquoi je panique? Allez, hein, y a pas d'autres trucs, hein. Voilà. Je sais pas pourquoi je panique et je saute comme un mongolito. Rip. Bon, allez, on se quitte là-dessus, YouTube.
À la prochaine pour une VOD. Ciao.